Bien, bonjour à tous, je suis Alain Herali et j'ai accepté très, très amicalement, très gentiment l'invitation de Jean-Jacques pour, disons, assurer le modeste rôle de chairman jusqu'à la pause café, parce qu'après, je vous prie de m'excuser, mais Jean-Jacques sait bien que nous avons une collègue là, qui fête son départ à la pension et je suis obligé d'y aller. Donc voilà. Alors, la matinée a été tout à fait passionnante et a déjà pu nous montrer à quel point nous sommes les héritiers d'une immense tradition désormais, assez récente, il est vrai, dans laquelle les chiffres ont la capacité de décrire le monde qui nous entoure, de le rendre accessible, compréhensible. Et Gaston Bachelard disait « Voulez-vous croire au réel ? Mesurez-le. » Et dans les sciences de gestion auxquelles j'appartiens davantage, on va jusqu'à affirmer qu'on ne peut tout simplement pas gérer ce qui n'est pas mesuré, et donc quantifié. Et même s'il y a d'infinies controverses, on en a vu quelques-unes déjà ce matin, nous allons encore en voir cet après-midi, nous restons attachés malgré tout, en dépit de tous les effets pervers qui ont déjà été bien documentés dans la littérature, nous sommes attachés à l'idée de la mesure. Maintenant, comme Michel Harmat l'a dit lui-même, on sait que toutes les formes de quantification se fondent à peu près nécessairement, on pourrait discuter, sur des conventions, lesquelles sont souvent soit imposées par le pouvoir, parfois glissées inconsciemment dans les protocoles de recherche, quelquefois émergent avec le temps au fil des traditions et des pratiques linguistiques même. Et donc ces pratiques de quantification, elles renvoient à des phénomènes sociaux, on en discutait pendant le repas, font d'abord des quantifications des objets sociaux extraordinaires, simplement infinies dans les analyses qu'on peut en faire, parce qu'elles posent des questions innombrables qui vont au cœur même de l'analyse de la vie sociale, comme par exemple, qui a le pouvoir de définir la catégorie ou la convention qui fait l'objet d'une mesure ? Qui a le pouvoir de définir les instruments de mesure ? Qui a le pouvoir de réaliser la récolte des données ? Qui a le pouvoir de valider l'objectivité de cette enquête ? Qu'est-ce qui arrive quand on ramène, on en a parlé ce matin, des phénomènes complexes dans l'unité d'un seul nombre ? Qu'arrive-t-il et à partir de quel moment, et qu'est-ce qui arrive quand en plus on peut se permettre de comparer à partir de là des chercheurs, des universités, des entreprises, des actions en bourse et ainsi de suite. Et je dois dire une question que nous évoquions pendant l'heure de midi qui me fascine beaucoup, c'est celle de savoir à partir de quand ou jusqu'où le chiffre éclaire le débat. Et à partir de quand il le clôt ou le ferme et empêche la discussion, le chiffre s'imposant aux acteurs et leur faisant croire, à tout le moins, qu'ils peuvent s'économiser la polémique, la discussion, la controverse. Bon, ce sont beaucoup de questions qui vont être évoquées sans doute, j'imagine, à travers les entretiens, les deux conférences à laquelle nous allons assister avant la pause. La première, c'est celle d'Emmanuel Didier, du Centre Maurice Albsbach de l'École normale supérieure et de l'École des hautes études en sciences sociales, et qui s'intitule « Quantodémie, le nombre comme outil de gouvernement de la pandémie ». On est vraiment inutile. Faut pas faire un dessin. Tout le monde comprend bien l'actualité et la centralité du sujet. Et ensuite, nous écouterons Aromas de l'Université de Lausanne, directeur de recherche... Aromas... qui est professeur d'histoire de l'économie au Centre Walras-Pareto d'histoire de la pensée économique et politique de l'Université de Lausanne, et qui nous présentera une conférence intitulée « Enquête et expérimentation sociale à la fin du XIXe siècle, des pièces à classer au musée,
des transformations sociales. Donc nous nous réjouissons de les écouter. Et donc, Emmanuel, voilà, à vous de commencer. Merci beaucoup à vous, Alain. Merci aussi à Jean-Jacques de m'avoir invité à cette journée qui, pour commencer, m'a beaucoup intéressé ce matin et je me réjouis de pouvoir vous présenter mon travail. Donc j'ai fait comme beaucoup d'entre nous, pendant la pandémie, j'ai réfléchi à la pandémie et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de nombres, énormément de nombres qui étaient discutés et qui étaient diffusés pendant cette pandémie, au point même que certains collègues ont parlé de cantodémie, donc une épidémie de nombres, pendant la pandémie. J'ai essayé de comprendre comment est-ce que ces nombres ont servi à gouverner la pandémie. Et voilà, donc vous avez vu que j'ai rajouté dans le titre réel de mon intervention le mot émotion, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors je voudrais commencer par faire un petit retour en arrière. Vous voyez là, c'est une petite cire, c'est une œuvre d'art de la fin du XVIIe siècle, oui, je ne me trompe pas, qui est une sculpture, hein, c'est grand comme ça à peu près, qui est une petite sculpture en cire qui décrit la peste qui a eu lieu à Florence à cette époque. Et vous voyez, à l'époque, comment est-ce qu'on voyait une pandémie? D'abord, on voyait un tas de cadavres, hein, il faut bien se voir ce qu'on voit. Et alors, je ne sais pas si c'est très visible. Est-ce que je peux pointer là? Voilà. En tout cas, ce qu'on voit aussi, c'est que le seul personne qui est encore vivant porte un masque. Ça m'a beaucoup intéressé parce que, en fait, dès le XVIIe siècle, quand il y avait des pandémies, il y avait déjà des masques. Le masque, pourtant, nombreux sommes-nous à penser que le masque est une découverte de la pandémie actuelle. C'est pas vrai. Les pandémies ont été associées à des masques. Alors, à l'époque, c'est pas parce qu'on pensait aux microbes. Hein, vous savez que les microbes n'avaient pas été inventés, mais c'est parce que, je vais vous parler très crûment, la mort, ça pue. Et donc, comme il y avait plein de morts partout, ça puait, et donc on mettait des masques pour se protéger de l'odeur. Voilà, donc la spécificité, c'est à ça que je voulais en arriver, la spécificité de la pandémie actuelle, ça n'est pas le masque. La spécificité de la pandémie actuelle, c'est qu'on n'a pas vu, heureusement, et ça je pense que c'est une spécificité heureuse, de tas de cadavres, on ne les a pas vus, et en revanche, on a vu beaucoup de chiffres à la place des tas de cadavres. Donc la spécificité de notre pandémie, c'est plutôt le tas de cadavres. Le tas de nombres. Et donc, voilà. Donc la question est, comment est-ce que ces nombres ont-ils servi à gouverner la pandémie? Alors il y a une très importante et abondante littérature sur le rapport entre quantification et gouvernement. Ted Porter, qui est dans cette salle, est un des auteurs principaux de cette courant de pensée. Jean-Jacques a beaucoup écrit là-dessus. Arrow est quelqu'un de très important. Enfin bref, on est tous très nombreux à avoir travaillé là-dessus. Michel, je ne parle pas de Michel, je ne sais pas pourquoi, mais Michel est absolument fondamental dans cette histoire. On a beaucoup écrit là-dessus. Mais une chose qui m'a paru peu explorée dans cette littérature, et que j'ai ressentie personnellement, c'est que les chiffres pendant la pandémie servaient aussi beaucoup à provoquer et à susciter des émotions, différentes émotions. Et ça m'a beaucoup intéressé parce qu'on associe généralement la quantification à l'objectivation, donc à la froideur, on dit souvent la froideur des chiffres. Et là, j'ai trouvé que les chiffres, au contraire, avaient quelque chose de tout à fait émouvant, au sens large du terme, c'est-à-dire que ça crée, par exemple, de la peur, de l'enthousiasme, plusieurs émotions différentes, et que donc ces chiffres étaient associés aux émotions. Et donc ça m'a intéressé de comprendre, y compris théoriquement, comment est-ce qu'on peut associer un gouvernement par les nombres et un gouvernement par les émotions. Comment est-ce que nombre et émotions peuvent être compris dans le cadre de cette pandémie? Donc vous avez bien compris, hein, c'est une chose très importante sur laquelle je veux insister. On a tendance, un peu par réflexe, à opposer raison et émotion, comme si la raison et l'émotion étaient deux ensembles complètement séparés. Moi, je vais essayer de faire le contraire, c'est de dire que raison peut aller avec l'émotion, mais comment? En fait, la question que je pose, c'est comment est-ce qu'on peut articuler raison et émotion? J'insiste vraiment beaucoup là-dessus, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait un malentendu entre nous. Je ne suis pas en train de dire que les nombres étaient entièrement des tricheries et des mensonges, hein. Ce n'est pas parce qu'ils sont associés à des émotions que c'est n'importe quoi. Je pense que c'est une caractéristique inattendue qu'on a vue surgir pendant la pandémie et que je voudrais essayer de comprendre. Comment est-ce que le nombre objectif est raisonnable et est aussi et malgré tout articulé à de l'émotion? Hein, j'espère que... Alors, le plan que je vais suivre, il est en trois parties. En fait, je vais prendre des événements au sein de la pandémie qui m'ont frappé. En début 2020 et pendant le premier confinement, le nombre qui était vraiment tout le temps mis en avant, c'était le nombre de morts. Hein, donc je vais parler d'abord du nombre de morts. Oui, alors je vous présente mes excuses car je travaille sur la France, pas du tout sur la Belgique.
Donc là, c'est... Pardonnez-moi. Voilà. Donc début 2020, le nombre de morts, c'était vraiment le nombre qui a été très important. Ensuite, à partir du premier trimestre 2021, je dis n'importe quoi. À partir du premier trimestre 2021, les vaccins ont été inventés. Et donc, le nombre qui est devenu complètement central, c'était le nombre de vaccinés, hein, donc dont on a beaucoup parlé. Et je voudrais faire une halte pour finir sur la date du 15 avril 2021, où le nombre de 100 000 morts a été atteint en France. Et donc, on a pas mal parlé de ce nombre, 100 000 morts. Et je voudrais voir un peu comment est-ce que le 100 000 morts a fonctionné. Alors, le nombre de morts, premièrement, donc là je vais passer dans la première partie, on va essayer d'analyser comment a fonctionné, dans le gouvernement de la pandémie, le nombre de morts. Alors il y a une chose qui a été très impressionnante en France en tout cas, mais je pense que c'était à peu près la même chose en Belgique, c'est que le slogan, si j'ose dire, « il faut sauver des vies », s'est imposé tout de suite, avec très peu de discussions. En France, l'idée que... il fallait confiner la population entière au risque de faire plonger l'économie, a été très peu discuté. C'était très étonnant, alors que d'habitude, on était très habitué à ce que les arguments économiques soient les arguments qui l'emportent très souvent. Là, en l'occurrence, ça a été vraiment des arguments qui ont perdu, et ce sont surtout les arguments sanitaires qui se sont imposés. Alors la question, c'est comment c'est possible que ces arguments sanitaires aient pu s'imposer à ce point-là. Et moi, il me semble, et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer maintenant, c'est que le nombre de morts, l'argument de publier tout le temps le nombre de morts, a été peut-être pas le seul, mais en tout cas a beaucoup importé dans l'imposition de cette priorité donnée à sauver des vies. Alors, un des exemples qui m'a frappé, c'est que donc, ce nombre de morts était répété en permanence, et en particulier les nombres associés au nombre de morts, nombre de contaminés, nombre de hospitalisés, tous ces nombres qui déclinaient, si j'ose dire, le nombre de morts, étaient répétés sans cesse. Alors, j'ai des étudiants qui ont travaillé sur... je les ai fait travailler, eux aussi. Ils ont regardé, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Jérôme Salomon, qui est donc le directeur général de la santé, hein, c'est un personnage de tout à fait décideur en France, a fait pendant le début du confinement 34 points de presse le soir vers 20h. Il parlait pendant une quinzaine de minutes pour décrire la situation sanitaire en France. Et donc j'ai fait travailler mes étudiants, je leur ai demandé de compter le nombre de nombres utilisés par Jérôme Salomon à l'occasion de ces points presse. Et comme vous voyez, ses interventions duraient 12 minutes en moyenne, et il citait 54 chiffres en moyenne. C'est-à-dire qu'en moyenne, on est à plus de 4 chiffres par minute. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, mais ça veut dire vraiment beaucoup, beaucoup de chiffres, quoi. Ça pour prouver que donc la cantodémie, il s'agissait bien d'une cantodémie, d'une épidémie de chiffres pendant le confinement. Alors, quels étaient les premiers nombres qui ont été apparus ? Donc, c'est les nombres autour du nombre de morts. Alors, ces chiffres sont agrégés par Santé publique France, qui est donc une institution publique en France, qui dépend du ministère de la Santé, qui agrège, à partir des données locales observées dans les hôpitaux en particulier, le nombre de morts. Alors... Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le nombre de morts est compté de deux façons, avec deux procédures très différentes, selon que vous mourrez dans un EHPAD, dans un hôpital, ça c'est une première chose, parce que donc il y a une centralisation automatique qui se fait. Mais si vous mourrez à domicile, alors un médecin vient chez vous, enfin vient chez votre dépouille, vient chez vous, et doit établir la cause de la mort. Et ça prend beaucoup plus de temps. Alors ça veut dire que le médecin passe, établit la cause de la mort, le bulletin qui établit la cause de la mort suit un autre processus et est centralisé doucement. Donc en fait, le nombre de morts qui était publié quotidiennement était donc un nombre approximatif. On ne sait, et ça on en avait déjà fait l'expérience pendant la canicule, on ne sait le nombre de morts causés par quelque chose que très longuement, rétrospectivement, parce qu'il faut donc centraliser les bulletins constatations de décès. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont été aussi efficaces ces nombres s'ils étaient au mieux inexact, hein, au mieux inexact. Et ben, à mon avis, le point, c'est qu'ils ont fait peur. Alors, comment est-ce que ça fonctionne, la peur ? Du coup, il faut, pour comprendre cet argument qu'il faisait peur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'aller chercher dans la littérature sur la sociologie et l'histoire des émotions pour essayer de comprendre comment fonctionnent ces émotions. Alors, à mon avis, le nombre de morts a fait peur de deux façons différentes. D'abord, il a fait peur au gouvernement lui-même. Le gouvernement avait très peur de ce qui se passait. Et d'autre part, à la population. Je vais d'abord parler de ce qui s'est passé dans le gouvernement. Alors d'abord, juste avant le début du confinement, le gouvernement a créé le conseil scientifique, dont on a beaucoup parlé, qui est dirigé par Jean-François Delfraissy,
Alors, il se trouve que je siège dans le Conseil consultatif national d'éthique, qui est aussi dirigé par Jean-François Delfraissy. Et ça, c'est de la chance, parce que du coup, j'ai pu l'interviewer assez souvent, et j'ai pu avoir de l'information directement de sa bouche. Et alors, ce qu'il nous a expliqué, c'était que c'était très intéressant pour disons, convaincre ou conduire le gouvernement à décider d'établir le confinement. En fait, ils ont utilisé deux types d'argumentations. D'une part, des argumentations chiffrées, très importantes, mais ils avaient aussi besoin d'histoires, de médecins qui racontaient à l'hôpital quelles étaient leurs expériences vécues. Donc en fait, le chiffre, il joue un rôle incontestable, mais il ne faut pas penser qu'un chiffre, c'est isolé. Un chiffre, ça vit dans une écologie, disons, et ça a été très important. Et alors, le grand argument que vous connaissez sans doute, c'est l'argument de aplanir la courbe. Alors, vous qui êtes tous statisticiens, je ne vous l'apprendrai pas. Hein, l'idée, c'est que si jamais on ne fait rien, je vais me lever, si on ne fait rien, alors les contaminations et les décès vont augmenter très rapidement. Et le problème, c'est qu'ils vont dépasser les capacités d'accueil de l'hôpital public. Et donc, on arrivera à ce moment-là à une situation où il y aura beaucoup de malades qui ne seront plus, qu'on ne pourra plus traiter dans les hôpitaux publics. D'accord ? Et donc l'idée, c'est que si on fait un confinement et si on prend des mesures de sécurité publique, on aplatit la courbe au sens où on limite le nombre de malades à une date T, de sorte qu'on parvient à maintenir la courbe sous la capacité des hôpitaux publics. Vous voyez ? Donc ça, c'était l'argument en défense du confinement. Et ce qui est très clair, c'est qu'il y avait un événement qui était absolument effrayant pour le gouvernement, c'était le moment où les deux courbes risquaient de se croiser. C'est-à-dire à partir du moment où vous aviez un nombre de personnes contaminées qui allaient à l'hôpital et qui risquaient donc de mourir, qui était supérieur aux capacités d'accueil de l'hôpital public, alors vous aviez une sorte de panique ou de catastrophe sociale qui menaçait. Et ça faisait peur au gouvernement. Voilà. Alors ça, c'est d'une part, ça c'est la première chose. Donc, un des points sur lesquels je voulais insister, c'est que ce qui fait peur, principalement, avec les stats, c'est des événements. Parce que les séries elles-mêmes ne font pas tellement peur. Le problème, parce que c'est des séries, je vais y revenir, mais pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est de garder en tête que c'est un événement qui fait peur. En ce qui concerne le public, c'était assez différent. Alors d'abord, les chiffres étaient publiés, comme je vous l'ai dit, de façon massive. D'autre part, les chiffres, ils avaient certaines particularités, certaines caractéristiques. Alors d'abord, ils étaient présentés en valeur absolue. On nous parlait d'un nombre de morts. Et ce nombre de morts s'ajoutait toujours. Hein, on nous disait toujours qu'il y avait... vous voyez, on ajoutait le nombre de morts du jour même au nombre de morts des jours précédents. Et donc ce nombre de morts ne faisait que croître. Et évidemment, fait peur. Et d'autre part, il y avait une unité qui était la personne individuelle. On disait le nombre de morts, c'est des personnes qui sont mortes. Donc vous pouviez très facilement vous identifier ce nombre de morts vous-même, vous dire moi, je pourrais être un de ces morts. D'autre part, le directeur général de la santé nivelait les risques. Ça, c'était très remarquable au début du confinement. On disait que tout le monde risquait de mourir. Il n'y avait pas du tout l'idée qu'on avait différentes covariances, etc. Alors on disait que les vieux pouvaient mourir, mais on insistait peu sur les gens, par exemple, qui risquaient très très peu de mourir. Et donc tout ça a été l'objet d'une enquête, en fait, d'une enquête par sondage qui a été menée par un collègue, Patrick Peretti-Vatel, qui a fait une grande enquête sur les Français et la presse pendant le confinement, et donc qui montre que vraiment les Français ont déclaré avoir eu peur à cause de ces chiffres, hein, qui disaient... Alors donc ce qu'écrivent Peretti-Vatel et ses collègues, c'est « Une partie des Français a fini par ne plus vouloir suivre le décompte des morts, et par ailleurs, ces données montraient aussi que le temps passé chaque jour à s'informer sur l'épidémie est un facteur très significatif, est un facteur très significativement associé aux insomnies et aux symptômes anxieux et dépressifs. Hein, d'accord ? Donc on avait vraiment ce lien. Alors comment est-ce que ça marche, la peur ? En fait, d'après un anthropologue qui s'appelle Marcus, nous fonctionnons avec un système de surveillance. Qu'est-ce que c'est que notre système de surveillance ? En fait, on a, cognitivement, il se trouve qu'on est capable de regarder s'il y a une adéquation entre les plans d'action que nous avons en tête et l'environnement dans lequel nous vivons. Si jamais, tout à coup, il y a une grande différence entre cet environnement dans lequel on se déplace, qu'on peut observer, et le plan qu'on avait prévu de suivre, ça,
ça suscite un sentiment de peur parce que c'est une menace, en fait. La différence risque de mettre en danger la personne qui est en train d'agir. Donc, à partir du moment où c'est une menace, l'attention se focalise sur cet événement imprévu qui se déroule dans le contexte et qui est donc hors du plan. Et c'est pour ça que j'avais insisté tout à l'heure sur l'événement. En fait, le problème qui était posé par les courbes d'aplanissement d'aplanir la courbe, c'est que si jamais on arrivait à cet événement nouveau, alors il faisait sortir de ce qui était planifié, de ce qui permettait d'être envisagé comme futur, et donc ça engendre de la peur. Il y a une chose qui est importante à savoir, et ça c'est un autre chercheur qui a présenté ça, c'est un Reilly, qui est un historien des émotions justement, qui montre qu'en même temps, toute société met en place des mécanismes de contrôle de la peur. Et il dit même, ça c'est assez intéressant, il dit même que dans toute société, le fait d'être capable de contrôler sa propre peur suscite l'admiration. Ça c'est quelque chose qui est intéressant. Et donc, dans toute société, il existe des peurs, mais il existe aussi des mécanismes de contrôle de cette peur. Et en particulier, ce qui permet de contrôler cette peur, c'est de mettre en place des raisonnements qui permettent d'identifier quel est l'événement qui a fait peur et de voir comment est-ce que cet événement peut être on peut reprendre le contrôle sur cet événement. Et en particulier, c'est ça que je trouve assez intéressant, les séries statistiques, elles participent à remettre en place des plans prévisibles. Vous voyez, c'est à partir du moment où vous avez une série, vous pouvez avoir une nouvelle conception de ce qui risque d'arriver. Et donc, vous réétablissez de nouveaux plans à partir d'un contexte qui aurait été largement transformé initialement. J'espère que je suis assez clair. Donc, en fait, il y a une chose qui est assez intéressante. À mon avis, ce qu'on peut dire, c'est que le nombre de morts, il a eu deux effets différents. Il a d'abord engendré de la peur, d'abord chez le gouvernement et dans le public, parce qu'il faisait peur, en fait, que la mort vous touche personnellement ou engendre un désordre total social. D'accord ? Mais en même temps, ce nombre de morts, il a peu à peu permis de reprendre le contrôle sur cette peur et donc de contrôler la peur parce qu'il donnait des moyens de envisager les futurs possibles qui étaient proposés grâce à ces statistiques. D'accord ? Donc, c'est le premier point auquel je voulais arriver. Le nombre de morts, à mon avis, est très très intimement associé à la peur, mais de deux façons différentes. Il suscite la peur et il permet aussi, peu à peu, de reprendre le contrôle sur cette peur. Voilà. Alors maintenant, je voudrais passer à un deuxième nombre qui m'a beaucoup intéressé, qui était le nombre de vaccinations possibles. Alors, au premier trimestre 2021, des vaccins ont été proposés à la population en France. Ceci a engendré une course contre la montre engagée entre, d'une part, la vaccination de la population et, de l'autre, la pénétration du virus. Alors, il y a eu une enquête par sondage, puisqu'on vit aussi dans les chiffres. Ça, c'est un point qui est important, c'est que les chiffres qu'on étudie sont toujours associés à d'autres chiffres qu'on étudie moins, mais qui pourraient être étudiés plus en profondeur. Donc il y a eu une enquête Ipsos en début 2021 qui montrait que seuls 40% des Français accepteraient de se faire vacciner. Et donc toute la politique gouvernementale, en fait, au début, elle reposait sur cette crainte qui est que tout le monde refuserait de se faire vacciner en France. Hein. D'après les enquêtes et les comparaisons internationales, qui étaient aussi très nombreuses, la France était la championne mondiale de la réticence à l'inoculation. Alors, une des techniques qu'a mis en place le gouvernement pour pouvoir dépasser ce mur de la réticence, c'est de mettre en place des objectifs quantitatifs de personnes vaccinées, à une certaine date. Et cet objectif, il était exprimé en personnes vaccinées. Alors, je vais faire un petit retour en arrière, parce que ça, c'est quand même des nombres qui sont classiques. L'idée de fonctionner par objectif quantitatif à atteindre. Ça a une histoire dont on a parlé à midi, justement, sur laquelle j'avais beaucoup travaillé, que j'ai appelé benchmarking, mais on peut... D'ailleurs, je m'ai fait une faute, excusez-moi, benchmarking, hein, sur laquelle on peut revenir. Alors d'abord, ça, c'est des techniques qui viennent avec l'idée que le gouvernement ne fonctionne pas par coercition, mais en motivant les membres d'une organisation. Hein, l'idée, c'est qu'on ne va pas obtenir de résultats
en obligeant les gens à agir. On obtiendra des résultats en leur donnant la volonté d'agir par eux-mêmes. Ça a été inventé clairement dans le monde du privé. Hein. Il y a Robert Camp qui a écrit un livre très influent qui s'appelait Benchmarking, et Hammer et Champy, qui étaient deux Américains aussi, qui ont écrit dans les années donc 80 un autre livre qui s'appelait Reorganizing the bref, j'ai oublié son nom, enfin, ça me reviendra, mais qui aussi ont été très très influents pour disséminer ces techniques. Alors pourquoi, eux ils expliquent pourquoi est-ce qu'il faut quantifier. On peut quantifier pour deux raisons. Alors la première, je l'ai dit en anglais parce que c'est vraiment typiquement, je trouve, ça sonne bien en anglais, what gets measured gets done. Donc l'idée c'est si vous définissez bien une chose à faire, et en particulier vous êtes obligé de la définir précisément si vous voulez la mesurer, alors elle est plus facile à faire. Pourquoi ? Parce qu'elle a été définie. Donc ce qui est mesuré est fait. D'accord ? Ça c'est le premier truc. Et la deuxième chose, c'est que si jamais vous avez un objectif à atteindre quantitatif, alors c'est très facile de voir s'il a été atteint ou pas. Vous comparez simplement le nombre des objectifs réalisés aux objectifs à atteindre. Et donc on peut motiver les agents d'une façon désagréable, mais très efficace, qui est de leur faire honte. Si jamais ils n'ont pas atteint leur résultat, on leur fait honte, et donc ils auront très envie, la prochaine fois, de réussir à obtenir leurs objectifs. Alors il se trouve que, dans le gouvernement, à cette époque-là, ça a été tout à fait documenté, en fait, le gouvernement en France avait recruté, j'ai vraiment été trop vite, le gouvernement a recruté des cabinets de conseil en communication, dont le célèbre cabinet McKinsey, hein, qui donc est venu conseiller le gouvernement. Et c'est apparemment eux qui ont inventé cette méthode des objectifs à atteindre, parce que Jean-François Delfraissy m'a dit qu'au conseil scientifique, c'est pas eux qui ont proposé de faire des objectifs quantifiés à atteindre, ça c'est sûr. Et d'autre part, j'ai aussi Patrick Perretti-Vatel, qui est un collègue que je connais bien, lui il est au conseil vaccinal, conseil de stratégie vaccinale, et ça n'est pas eux non plus qui ont proposé l'idée de mettre en place des objectifs quantifiés à atteindre. Donc c'est les cabinets de conseil qui ont proposé ça, ce qui correspond bien puisque c'est vraiment leur état d'esprit classique. Mais le problème, c'est que ces objectifs quantifiés à atteindre, d'habitude, ils sont utilisés dans les organisations. Pourquoi c'est utilisé dans les organisations ? Parce que c'est souvent une petite cuisine interne qu'on n'a pas tellement envie de rendre publique auprès de tout le monde. Il y a des forts problèmes de publicisation de ces objets. Donc comment est-ce qu'on fait pour passer de objectifs quantitatifs à atteindre d'une organisation à une politique publique qui repose sur des objectifs à atteindre ? Ça, c'est un problème qui était surprenant. Alors en fait, ces objectifs participaient de ce que des collègues à moi, Blondiot et Traini, ont appelé un dispositif de participation citoyenne. En fait, la participation citoyenne, quand on fait de la politique publique, elle est obtenue au moyen d'un dispositif, c'est-à-dire de nombreux outils possibles. Alors je vous en ai listé quatre, mais si on faisait une analyse plus attentive, on pourrait en trouver plus, mais je vous en listé quatre qui, à mon avis, ont été particulièrement importantes. Alors d'abord, premièrement, le gouvernement s'est soumis lui-même à ses propres objectifs. Alors ça, c'est très intéressant parce que dans les organisations, on ne se soumet jamais soi-même à ses propres objectifs. On établit des objectifs qu'on applique à ses subordonnés. Et on regarde si les subordonnés ont atteint les objectifs. Mais soi-même, on ne se soumet pas à des objectifs. Pourquoi ? Eh bien là, on l'a vu en grandeur nature. C'est parce que le gouvernement a beaucoup changé d'objectif. En fait, au début, il avait mis des objectifs très ambitieux. Et voyant qu'il n'y atteindrait pas, il n'a pas arrêté de changer ses objectifs, ce qui n'a pas manqué de susciter pas mal d'ironie en France. Et en particulier, là, finalement, après avoir beaucoup hésité, etc., Véran, le ministre de la Santé, a dit « Le gouvernement table sur 4 millions de personnes vaccinées fin février, 9 millions fin mars, 20 millions fin avril, 30 millions fin mai, 43 millions fin juin, 57 millions fin juillet et 70 millions fin août », ce qui a fait ricaner certains journalistes, car, comme vous le savez, il n'y a pas 70 millions de Français. Donc, ça prouvait que ça venait d'un modèle directement. Alors, malheureusement, je n'ai pas réussi à identifier le modèle d'où il venait, mais voilà. Donc, comment ? Deux doses. 70 millions de Français, ça fait, même avec deux doses, ça fait beaucoup de Français. Voilà. Ceci dit, bon, je fais un petit écart. Là, vous voyez, le chiffre provoque de l'ironie. Ça, c'est une collègue qui s'appelle Wendy Espeland, qui a beaucoup travaillé elle a appelé ça les émotions associées à ses objectifs quantitatifs. Et elle montre bien que ça suscite beaucoup d'ironie. C'est très fréquent que ça provoque la rigolade. Bon, voilà. Donc, en tout cas, il y a une première chose qui a été faite, c'est que le gouvernement
malgré ses hésitations, avait fixé des objectifs à atteindre pour essayer de motiver. Alors je vais revenir sur le fonctionnement de ça. D'autre part, il y a quelque chose qui, à mon avis, a été très important, y compris dans ce sens-là, c'est le site Covid Tracker. Vous savez que le site Covid Tracker ne dépend pas du gouvernement. Le site Covid Tracker a été mis en place par un petit gars, donc vous connaissez peut-être tous cette histoire un peu chevaleresque, un petit gars tout seul dans son coin, a commencé à faire un petit site web qui a eu un succès phénoménal, au point que le gouvernement, pendant une brève période, en particulier avec les vaccins, a transmis les données à Covid Tracker avant même de les publier lui-même et les a données uniquement à Covid Tracker. Hein, d'accord ? Mais là, il y a une petite analyse à faire qui est très intéressante. C'est qu'en fait, en passant par cet intermédiaire, le gouvernement se donnait une sorte de légitimité, de neutralité. Puisque c'était Covid Tracker qui publiait les données, en fait, ce n'était pas le gouvernement. Donc en fait, il y avait un effet d'objectivation qui était très fort. Covid Tracker était une sorte de légitimation, oui, de la qualité des chiffres et qui ne pouvait pas être manipulé par l'administration. Même si, évidemment, en fait, c'était l'administration qui donnait les chiffres. Mais ça donnait une sorte d'étapes supplémentaires et qui permettaient de donner de la légitimité. Donc ça faisait partie aussi de ce dispositif de participation citoyenne. D'autre part, Covid Tracker, d'autre part, ça montrait que la population elle-même participait à cette politique. Un autre point qui a été très compliqué à mettre en œuvre, ça a été de mettre au point une infrastructure permettant de rémunérer les soignants qui procédaient à la vaccination. Ça a été important, de définir qui étaient les agents capables et autorisés à vacciner. Et d'autre part, comme il ne s'agissait pas que de médecins, comment est-ce qu'on mettait en place une façon pour les rémunérer? Ça a été compliqué parce qu'il fallait donc motiver les motivateurs, si j'ose dire, ceux qui étaient susceptibles d'accompagner la politique. Et il y a quelque chose qui est très important dans ces histoires-là, c'est la compétition, et en particulier la compétition avec les pays comparables. Souvenez-vous, on a eu des tableaux de comparaison de nombre de vaccinés en Europe, très très nombreux. On comparait, est-ce que la France et l'Allemagne étaient comparables, est-ce que la France et l'Italie étaient comparables, avec aussi deux méchants, si j'ose dire, qui étaient le Brésil et les États-Unis, qui permettaient aussi une anti-comparaison, si j'ose dire. Mais donc voilà, donc il y avait tous ces éléments ont participé à mettre en place ce dispositif de participation citoyenne. Alors ça, à mon avis, ça a participé à créer de l'espoir dans la population. Pour essayer de comprendre comment cet espoir a été créé, je voudrais revenir sur un autre système qui a été décrit par Marcus, qui est le système de disposition, qui, lui, permet de suivre ses habitudes. Ce système de disposition, en fait, c'est un système qui capte toutes les informations du milieu, grâce auquel l'individu reconnaît son environnement. Et il a accès à la mémoire procédurale qui permet ainsi de réutiliser les comportements appris. Puisque vous êtes dans un milieu qui est prévisible, où le plan justement marche bien, vous pouvez récolter dans votre mémoire les procédures que vous avez déjà mises en œuvre et vous pouvez les répéter. Et ce que montre Marcus, qui est assez intéressant, c'est que si jamais vous répétez une disposition conformément au plan qui est en œuvre, eh ben, chaque petite étape provoque de la satisfaction. Hein, je ne sais pas si... pour comprendre ça, ce que je m'étais dit, c'est vrai que, par exemple, quand on fait un exo de maths, quand on trouve les différentes étapes de l'exercice de mathématiques, eh ben, en effet, ça suscite de la satisfaction. Quand on réalise quelque chose avec succès, comme, je ne sais pas quoi, d'autres choses, hein, je ne sais pas, faire le ménage chez soi, eh ben, ça provoque des petites satisfactions l'une après l'autre quand on les réalise. Or, les variations d'un indicateur statistique, à mon avis, si elles vont dans le bon sens, jouent particulièrement bien ce rôle. Si jamais vous constatez qu'il y a de plus en plus de vaccinés en France autour de vous, alors ça provoque des petites satisfactions en vous de voir que le plan qui est établi est en train d'être réalisé. Alors il y a une comparaison qui peut être faite assez intéressante avec le Téléthon. Je ne sais pas si on regarde le Téléthon en Belgique, mais le Téléthon fonctionne exactement, pas en Suisse. Le Téléthon, c'est donc une grande organisation qui a lieu tous les ans en France, où on essaye de récolter de l'argent pour financer la recherche sur les maladies rares, les maladies génétiques rares. Et donc en fait, il y a un grand compteur qui est établi, où on voit le nombre de gens, le nombre de dons qui est promis, et on voit l'augmentation constante du nombre de dons qui est de promesses de dons qui est faite par la population. Et pendant ce temps-là, les acteurs font des épreuves qui essayent d'embringuer, de faire participer le plus d'acteurs possible pour faire augmenter
ce tableau des promesses de dons. Et bien là, moi, je trouve que c'était un petit peu le sentiment qu'on avait, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on essayait de faire augmenter tous collectivement le nombre de vaccinés, et pour ce faire, on essayait de participer en allant nous-mêmes nous faire vacciner, et donc faire augmenter le taux de vaccination, ou de motiver les gens autour de soi pour qu'ils aillent se faire vacciner. Et donc là, il y a quelque chose qui est, à mon avis, intéressant, parce que ce n'est pas tout à fait le même fonctionnement que dans les entreprises. L'émotion, elle produit de la mobilisation. En fait, on se dit, oui, je reconnais la légitimité de... Je vais revenir après sur les antivax. Hein, j'espère que... Mais je reconnais la légitimité de cet objectif global de faire vacciner un grand nombre de personnes. Et j'agis alors... moi-même, autour de moi et sur moi-même, pour faire augmenter et pour participer à cet objectif global. Hein ? Alors que dans les entreprises, c'est un peu l'inverse. Peu importe que les gens comprennent quel est l'objectif global, ce qu'on leur demande, c'est vraiment d'atteindre des objectifs très précis. Voyez ? Donc là, entre la politique publique et la politique dans une organisation, le fonctionnement n'est pas tout à fait le même. Alors, ce que montre Marcus, c'est que cet fonctionnement par le système de disposition engendre des effets pervers qui peuvent être très, très dangereux. Le premier effet pervers possible, c'est la triche. Et d'autre part, il y a un effet pervers qui est, sur lequel insiste beaucoup Marcus, qui est la perte de réflexivité de la population. En fait, ce qu'a en tête Marcus, c'est les événements, par exemple, populistes. Lui, en fait, il a clairement en tête le phénomène nazi. C'est-à-dire que si jamais tout le monde est trop enthousiaste pour une cause qui peut être donc catastrophique, hein, qui peut être la Shoah, par exemple, eh bien, les gens perdent leur réflexivité en participant à une politique émotive de cette façon-là. Et de fait, moi, c'est ce que je trouve assez frappant, c'est que la critique de la politique de vaccination a été quand même, malgré les phénomènes anti-vax, je trouve que les critiques émises contre la vaccination étaient assez faibles, en fait, et assez peu diffusées. La presse en a un peu parlé, mais je trouve que, étant donné l'effet massif de cette politique, la critique a été assez faible. Quant à la triche, c'est très intéressant. Moi, j'ai été très frappé par le fait que, par exemple, en France, il y avait des gens qui préféraient acheter de faux certificats de vaccination pour ne pas se faire vacciner, alors que la vaccination elle-même était gratuite. Donc, quand il y avait, par exemple, c'est vraiment un phénomène très intéressant, parce que économiquement, ça ne marche pas. Mais donc, il y a eu des triches comme ça qui sont très intéressantes. Toujours est-il que fin août 2021, Le Monde titrait « Soulagement pour l'exécutif, l'objectif de 50 millions de primo-vaccinés à la fin de l'été 2021, fixé par le Premier ministre le 21 juillet, sera atteint hein ». Donc, en fait, cette politique, en l'occurrence, a fonctionné. Voilà. Alors maintenant, je vais passer à ma troisième partie, qui est la dernière, qui est cette histoire du 100 000 morts. Alors vous voyez, je vous ai copié la page, la une du Monde du 15 avril 1921, bravo Emmanuel, du 15 avril 2021, ça va de soi, hein, excusez-moi. Bon bref, donc vous voyez, 100 000 morts en France, l'hécatombe du Covid-19. Alors pour les statisticiens, là c'est assez intéressant, en fait ils avaient fait cette infographie, chacun des petits points est un des 100 000 morts. Vous voyez ? Donc en fait, c'était distribué. L'abscisse n'avait pas de sens, mais l'abscisse avait le sens. C'est distribué par date. Et donc là, ce sont les moments où il y a le plus de morts, les dates les unes après les autres. Alors, comment fonctionne ce 100 000 morts ? Alors... Vous voyez bien qu'en fait, c'est déjà un symbole, en fait. Moi, je pense qu'il faut parler de symbole, qui célèbre un funeste événement et synthétisant les douleurs traversées par le pays. Alors, comment a fonctionné ce symbole ? Alors, la première chose à savoir, c'est que ce chiffre provient de Santé publique France. Alors, je vous ai photographié la page d'accueil du site de Santé publique France. Et vous voyez, c'est comme ça que les nombres liés à l'épidémie sont présentés. Alors il y a une chose qui est intéressante à voir, c'est que le 100 millième mort, là, qui est donc le carré en bas, là, décède, hein, vous voyez, il n'est pas du tout mis en avance. Enfin, si vous aviez regardé le jour d'avant ou le jour d'après, Santé publique France n'a pas du tout de mise en scène spéciale. Hein. Donc ça, c'est une chose importante à savoir.
Donc, c'est Santé publique France qui avait récolté ces nombres, mais eux ne l'avaient pas mis en avance. En fait, c'est Le Monde lui-même, tout simplement, qui avait décidé de marquer une étape avec ce nombre. Alors, c'est très intéressant que Le Monde ait publié dans le corps du journal, il y avait un article qui montrait que ce nombre n'était pas tout à fait exact, toujours à cause de la même question dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, c'est 100 000 morts dans les institutions publiques. En fait, là, ça ne comptait pas les morts à domicile, hein, c'est important. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'un nouveau service du Monde, et ça c'est très intéressant, le service des fact-checkers, qui est un service à l'intérieur du Monde, avait décidé de mettre en exergue ce centième mille morts. Alors, les fact-checkers, c'est quelque chose qui a été mis en place il y a une dizaine d'années dans le Monde, et leur fonction est triple, mais les deux principales sur lesquelles je voulais insister, c'est d'une part donc vérifier les informations qui sont faites par les hommes politiques au cours de la vie publique, mais d'autre part, ils sont responsables d'établir une relation plus directe avec le lectorat, donc de faire en sorte que le lectorat participe davantage au journal, et donc le site web est le site web du Monde est animé par les fact-checkers, qui en particulier organisent des lives, c'est-à-dire qu'ils essayent de mettre des journalistes online ou des intervenants qu'ils jugent intéressants dans le but que les lecteurs interrogent, interviennent, donnent leur opinion, etc. Donc les fact-checkers, ils participent à cette relation plus horizontale de la presse. Et donc ils avaient fait un live organisé par Le Monde entre donc ce même jour, entre 9h30 et 19h, où le public était invité à envoyer des messages pour discuter ce 100 millions de morts. Alors moi, ça m'a intéressé parce que ça nous permet de faire un changement de perspective sur ces nombres et ces émotions. Au lieu de les regarder depuis le haut, ce qu'on a fait un peu jusqu'à maintenant, là, je peux voir ce que les gens ont dit, en fait, les gens qui ont participé au live, comment ils ont commenté ce 100 millième mort, pour voir quels sont les types de réactions qu'il a suscité. Hein, d'accord ? Alors, il y a seulement 43 messages qui ont été envoyés, malheureusement. Moi, je trouve que c'est pas beaucoup. J'aurais bien aimé qu'il y en ait plus. Non, c'est pas tout à fait vrai. Je me trompe. Excusez-moi. Il y a 43 messages qui ont été publiés. Donc, je n'ai pas réussi. J'ai pourtant écrit de très nombreuses fois au journal pour qu'ils m'envoient de l'information. En fait, ils ont pas voulu me donner la base de données des messages reçus. Ce qu'ils ont fait pourtant pour une autre enquête, donc je ne sais pas pourquoi sur ce coup-là ils n'ont pas voulu. Mais il n'y a eu que 43 messages publiés. Donc je les ai. Alors comment est-ce qu'on peut les analyser ? J'ai essayé de faire un peu des traitements automatiques, donc de faire des traitements, par exemple, de topic analysis, etc. En fait, il n'y a pas 43 messages, trop bref, ça ne donne rien. Et de même, j'ai essayé de faire quelque chose qui, en l'occurrence, aurait très très bien fonctionné, qui est le sentiment analysis. Je ne sais pas si parmi vous, les statisticiens connaissent ça. Il y a maintenant une technique pour faire des sentiment analysis. Et là, je trouvais que c'était parfait, puisque c'était des stats qui me permettaient de regarder quels étaient les sentiments associés à des stats. J'aurais beaucoup aimé que ça marche, mais ça n'a rien donné du tout. Donc, j'ai laissé tomber. Et j'ai tout fait à la main. En fait, je me suis lu les 43 messages, je ne sais pas non plus impossible, et j'ai essayé de créer des catégories, des types de remarques qui ont été faites. Alors, la première chose, c'est que le nombre fait peur. Hein. Le nombre de morts engendre la peur. Alors, on a peur pour soi, d'abord. Donc, vous voyez, je suis étudiant, et pour moi, cette situation est dure et engendre une ambiance anxiogène. Une autre personne dit « J'ai d'énormes angoisses concernant le Covid-19, j'ai une peur panique d'être hospitalisé ou de me retrouver en réanimation. » on a aussi peur pour les autres. Hein. Je crains que la contamination puis la mort des proches, voilà un sentiment qui existe. La crainte pour ses proches, et le fatalisme économique et social ambiant, etc. Et enfin, il y a une autre chose qui est très intéressante, c'est qu'on dénonce le fait que le journal utilise le nombre pour faire peur aux autres. Vous voyez, donc, les gens disent... Attendez, excusez-moi, je me suis perdu, voilà. Les gens disent, on dénonce le fait que la publication de ce nombre puisse faire peur aux autres. 100 000 morts, d'accord, mais quelle est la surmortalité ? Parce que sinon, c'est juste un peu anxiogène. Donc là, les gens dénoncent Le Monde comme utilisant le nombre pour faire peur. Hein, c'est intéressant. Hein. Donc la peur, elle est articulée à 100 000 de façon assez diverse. Alors le nombre, deuxièmement, en deuil. Les gens parlent beaucoup de leur deuil. Donc, premièrement, ils rappellent une personne morte pendant la crise et provoquent ainsi plusieurs émotions liées au deuil. D'abord, la souffrance. Le deuil ambiant permanent qu'on a compte à vivre les familles me poursuit chaque jour.
Ce qui s'est passé pour ma part fut une violence extrême. Bonjour, une contamination intrafamiliale sur 4 personnes touchées, une est décédée dans des circonstances horribles. Hein, donc vous voyez, les gens parlent de ça. Ils parlent de leur mort, hein, sens leur propre mort. Le 100 000 rappelle le deuil qu'on en fait pour son propre mort. Ensuite, il y a beaucoup de monde qui s'inquiète de savoir si leur proche va être représenté dans ce décompte. Est-ce que mon proche à moi... je vais beaucoup plus vite. Est-ce que mon proche à moi sera représenté, hein, d'accord. Et enfin, il y a un sentiment d'apathie aussi qui est très fort, qui est lié au deuil. Ma réaction devant ce nombre de cas de mort Covid-19 est totalement apathique et désintéressée. Pensez-vous que la pandémie nous ait enlevé notre humanité? Il y a un troisième élément qui est la mort de gens. Le nombre de morts engendre la colère. Ça, c'est très important. Elle peut provenir du fait que la société n'a pas protégé ou au contraire a contaminé un être cher. Mon père est mort du Covid, il l'a attrapé à l'hôpital au cours d'une hospitalisation qui n'avait rien à voir. Je n'arrive pas à accepter cette situation et je ressens beaucoup de colère. Comment perdre 300 à 400 personnes par jour en France, l'équivalent d'un crash d'avion, a-t-il pu se normaliser au point que cela n'émeuve plus personne? Et là, vous voyez, ce que je trouve intéressant, c'est que la colère provient de la non-colère des autres. Hein. C'est le fait que les gens soient apathiques, ça provoque de la colère devant une situation révoltante. Et le quatrième point, que je trouve intéressant aussi, c'est que le nom suscite le désir de rendre hommage. Le président de la République envisage-t-il de s'adresser en français dans une allocution solennelle pour évoquer ces 100 000 morts? D'accord. Alors comment est-ce qu'on peut analyser, comment est-ce qu'on peut essayer de synthétiser en moins de 5 minutes ces 100 000 morts, les effets émotionnels de ces 100 000 morts? D'abord, 100 000, c'est le contraire des nombres qu'on a vus jusqu'à maintenant. Hein, c'est un nombre rond, grand, c'est un seuil. Et il diffère des indicateurs parce que c'est une valeur seule. Hein. Tout à l'heure, jusqu'à maintenant, on avait les deux nombres que j'avais présentés étaient des nombres qui étaient des indicateurs. Là, au contraire, on a un nombre déterminé. Alors, comment est-ce qu'il fonctionne? En fait, premièrement, il rassemble un collectif de milliers de morts éparpillés. Hein, tous les morts, on le voyait en lisant les cas, en fait, chacun avait son cas à lui. Mais les 100 000 morts réunissent en un cas tous ces nombres éparpillés. Et d'autre part, chacun est représenté sans qu'aucun ne soit distingué. Ça, c'est très intéressant dans le nombre. Il y a une représentation de chacun individuel, mais il n'y a pas de mise en avance de héros ou de personnages singuliers. Il y a une égalité, égalitarisme total, grâce au nombre de tous ces morts. Alors, c'est très proche d'un article, un livre qui m'a été conseillé par personne d'autre que Ted Porter sur l'utilisation des nombres en Israël. Et en particulier, en Israël, il y a de très nombreuses rues ou de lieux qui ont des nombres, des noms à nombre. Donc, par exemple, on dit la rue des 4, la place des 3, la rue des 23 marins, etc. Et donc, c'est un peu la même chose. En fait, on utilise dans ces cas-là le nombre pour commémorer un événement très important. Et là, le nombre est lié à cette le nombre de morts de Covid est lié à cette commémoration de cet événement très important. C'est la même chose. Le 6 millions de morts de la Shoah est devenu comme... alors, l'auteur parle d'une icône. Moi, je pense que l'icône ne convient pas tout à fait parce que ça évoque l'image, mais on peut redire le nombre est un symbole de quelque chose d'autre. Et donc, évoque toutes les émotions qui vont avec. Voilà. Alors, je voudrais conclure quand même, prendre le temps de conclure parce que c'est important. La littérature qu'on connaît depuis longtemps nous a déjà appris que le nombre font tenir la société. C'est quelque chose qui est très clair, qu'une société ne tiendrait pas, en tout cas les sociétés contemporaines ne tiennent pas s'ils n'ont pas des nombres pour leur donner de la consistance. Or, la pandémie a très violemment secoué plusieurs fondements de nos liens sociaux, hein, en particulier, tout simplement, le fait de se rencontrer les uns les autres. Donc il a fallu, à mon avis, reconsolider cette société qui était beaucoup mise en danger. Le gouvernement, par le nombre, s'est invité, encore une fois, comme on l'a déjà très souvent étudié, mais cette fois-ci indissociablement avec un gouvernement par les émotions. Aucun des trois exemples avancés n'oppose cognition et affect. Au contraire, à mon avis, ce que j'ai pu vous montrer, c'est qu'il y a une articulation très subtile entre la quantification et les émotions qu'ils suscitent. En fait, le nombre ne sont pas séparés des émotions, en l'occurrence, mais au contraire, ils les ont impliqués dans le vaste agrégat social, comme je dis, qui contient aussi de la rationalité. Donc l'idée, c'est que pour reconstruire une société,
On ne peut pas construire une société qui ne tiendrait que sur du rationnel. Une société, ça tient aussi sur de l'émotionnel. Et les nombres font partie de ces éléments qui mettent ensemble de la rationalité, du raisonnement, des statistiques raisonnables, mais en même temps qui provoquent des réactions émotives. C'est un peu paradoxal, mais à mon avis, c'est vraiment ce que nous a montré la pandémie. Voilà, merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas trop dépassé. J'en ai fini. Thank you.